N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport. Selon les informations du quotidien sportif record, Bouna Sarr et Bamba Dieng ont été convoqués dans l'optique de la double confrontation entre le Sénégal et la Namibie les 6 et 10 octobre prochains si la sélection du jeune joueur de l'OM, auteur de 3 buts en 3 titularisations en Ligue 1, était attendue. Celle de son prédécesseur sous les couleurs françaises l'est un peu moins. Suivi depuis 2018, Bouna Sarr avait repoussé les approches d'Aliou Cissé dans les semaines précédant le mondial en Russie. De père sénégalais et de mère guinéenne, le joueur de couloir avait alors fait une déclaration sans ambiguïté. J'ai pris une décision ferme, décision que je n'avais pas prise et qui apportait un peu de confusion. J'ai fait un choix définitif, je veux et j'aimerais, je souhaiterais jouer pour l'équipe de France. C'est clair, il y aura des déçus du côté du continent africain, mais j'assume mes choix et je n'ai pas peur de le dire, avait expliqué la Provence, celui qui évolue aujourd'hui au Bayern Munich depuis le temps de jeu que Bouna Sarr s'est considérablement réduit d'incontournable à l'OM sous la direction de Rudi Garcia, l'ancien messien est devenu un deuxième voire un troisième choix au Bayern Munich. Âgé de 29 ans, l'intéressé n'a plus guère de temps pour goûter à une carrière internationale, d'où le oui enfin donné au pays de son père, confronté à l'absence de ses blessures des deux meilleurs spécialistes au poste de latéral droit, à savoir Youssouf Sabali, Moussa Wagé. La convocation de Bouna Sarr va sans doute créer une grosse polémique au Sénégal.